Bon mardi, mon petit kiki! Alors, ce matin, dans la phrase du jour, la phrase qu'on va lire, c'est « En bas de la montagne, les messieurs lisent près des brebis. » C'est une bonne place pour lire ça? Tu te vois-tu lire un livre à côté d'une brebis? Tu sais, une brebis, c'est un mouton. Ça fait « Tu te vois-tu vraiment lire un livre à côté d'un mouton? En fait, de plusieurs moutons? Non, hein? Bon, commençons à écrire. En. En. Avec ta majuscule, hein? Début de phrase. Deuxième mot. Ba. Ba-ba. A. Il y a une lettre muette à la fin. C'est un S. En bas. De. De. La. La. T'as fini d'écrire en bas de la? T'as tout écrit ça? Champion? Ou championne? Le masculin remporte malheureusement sur le féminin dans la vie. Il y a des règles plates comme ça dans la vie. Bon, OK. Montagne. Montagne. Mon. On. Mon. T'as-tu écrit mon? Ta. T-t-a. Ta. Gne, gne, gne. Gne, gne, c'est G-N. Donc, regarde, tu devrais avoir écrit en bas de la montagne. Tu vois? Gne, gne, gne. En bas de la montagne. Virgule après montagne. T'as-tu mis ta virgule après montagne? Les. Le, la, les, ben, les. Tu es capable d'écrire les? En bas de la montagne, les messieurs. Là, c'est mes comme mes souliers à moi, genre M-E-S. Et sieurs. Si, écrit si. Mais, M-E-S. Si, S-I. Est-ce que c'est fait? Et maintenant? Le son R, E-U-R, mais si R. Et là, c'est des messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on met quand il y en a plusieurs? Un S, tu as raison. Mets ton S à messieurs. En bas de la montagne, les messieurs, prochain mot, lise. Ici, c'est le verbe lire. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. C'est qui lit? Les messieurs. Les messieurs, on peut remplacer par « il ». Alors, « lise », c'est « li », écrit « li ».« Ze », S-E. Et qu'est-ce qu'on met quand c'est « il lise » ? Un « n » et un « t ». Ben oui! L-I-S-E-N-T. « Lise ». Prochain mot, « prêt ». P-P-R-E, accent grave. Avec un S à la fin. Prêt. Prochain mot. Des. Hein? De ou des. Quelle lettre vient après DE pour faire des? DES. Ben oui. Le de, il est au pluriel. Donc on y met un S. Ça fait des. Hey! Dernier mot. Brebis. Brebis. Bre. B-R-E, B, B-I, avec un S. Brebis, ça a toujours un S. Mets un point. Vérifie que tous tes mots sont là. En bas de la montagne, les messieurs lisent près des brebis. Est-ce que c'est bon? Alors, t'es prêt pour corriger? Voici. Puis, est-ce que tu as réussi? Dis-moi-les! Bonne fin de journée! Bye bye!